Est-ce que si yon moun tué yon moun, Par accident, est-ce que ça a son péché? Par exemple, bon volé qui rentre la caillou, azam sortant de la, ou ap fon manev la, pour si ou a désarmé volé a, et puis li bon mal. Qui sa la Bible dit sous question ça? Yo gros salutation spéciale pour vous, nous souhaitons bienvenue dans la troisième vidéo, dans la série 7 vidéos, côté n'a répondre une série de questions qui paraît très difficile, peut-être ou même ou ka poser et en pile monde a posé. Alors nous espérons que vous avez assisté deux vidéos avant yo. Nous espérons que vous avez joué une réponse ou vous êtes satisfait. Si vous pas satisfait, vous pouvez toujours poser des questions. Si vous pouvez regarder tout, allez regarder sur le canal là. C'est une série de vidéos que nous faisons pour nous aider sur le plan biblique. Pas oublier sur mes activités, mettez un like, partagez, faites un commentaire, posez des questions, c'est façon capable d'encourager le travail là, ou même capable regarder qui vous êtes inscrit. Inscrit. Question aujourd'hui, hein? Bon volet qui rentre la caillou, azam sortant de la, ou fon manev la, pour si ou a désarmé volet a, et puis li bon mal. Qui sa la Bible dit sous question ça? Moi, je suis avec vous, nous entendons, nous, tuer moun, c'est péché, parce que la Bible dit ou pas de tuer. Nous sommes capables de lire ça dans 1 Jean 3, verset 4. 1 Jean 3, verset 4, il dit: quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. De bon, alors, de bon, transgresser la loi, le péché. On nous fait chita dans 10 commandements qui gagnent question pas tuer à la donne. La Bible dit nous, depuis on moun tuer, li péché. Si on moun, alors on moun transgresser la loi, li péché. Et la loi dit, nous pas de tuer. Maintenant, quel que soit Jean Saïe, hey, c'est tuer ou tuer. Moun nan te vini pour te tuer. Tout le monde la carou. Gardez ou getan fon jan la, c'est tué. En passant, m'a dit tout, yon moun ki accepte, yon moun a fait souffrir, yon moun a torturé, yon moun a blessé ko la bat li, ça son péché tout. Parce que la Bible dit, ko nou, c'est tant Saint-Esprit, nous pas doué fonctionner avec lui n'importe comment, nous pas doué quitter n'importe bagaille. C'est-à-dire, si vous avez possibilité pour nous, si vous avez possibilité pour défendre nous, ou pas défendre nous, c'est péché. Maintenant, si vous tuez, pour nous défendre nous, c'est un autre péché. Comment, qui ça la Bible dit? Sous ça, il y a un texte qui est vraiment intéressant, moi je voulais lire ensemble avec nous dans Nombre 35, Nombre 35, et en ouvert bibou ensemble avec moi, ouvert bibou, je vais mettre un petit série ça, ou ouvert bibou, ou bien on prend sous téléphone, nous on est Nombre 35. En nous, le verset 20, il dit, si un homme pousse, alors avant, dans Nombre 35, là, si on a le verset 9, là, pour les gens qui gagne 8 secondes, même genre ensemble avec moi, on va prendre marqué ville de refuge. Le vengeur du sang. Ok? Ville de refuge. A dit, alors, avant, femme d'où, bon Dieu, lorsque songez, peuple Israël, c'est un peuple, bon Dieu, t'es choisi. C'est un peuple spécial, bon Dieu. Mon cap étudier le son école sable ensemble avec nous chaque jour. Nous, on est ça sous canal là. Chaque jour, nous avons une vidéo. Nous avons une vidéo chaque jour sur la Bible. Mon cap étudier ensemble avec nous. Nous connaissons Israël. Le peuple d'Israël, c'est un peuple, bon Dieu, t'es choisi. Bon Dieu, t'es établi tout ça qui. Pour le peuple a été réalisé, c'est bon Dieu qui t'a planifié pour lui. Qui t'a planifié pour lui. Maintenant, bon Dieu t'a planifié une série de villes. Alors, on lit ça dans Nombre 35, verset 11, il dit, vous vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge. Bon Dieu t'a fait quitter des villes. Ville sa yo rele yo, ville kote moun pou moun al pran refuge. Comment moun kon pran refuge? Refuge, créole. Refuge nan ville sa yo. Créole, la français a bon problème. Comment moun kon pran refuge nan ville sa yo? Par exemple, la Bible dit ou pa gen doit tuer. Maintenant, si pa malheur ou ta tué yon moun par accident, ou pral nan ville, yon nan ville sa yo pou al chercher refuge, pou al chercher refuge jusqu'à ce que. Yo juge ou, yo rend yo compte que ou t'es coupable ou pas, ok? Maintenant, sou t'es coupable, sou coupable, ya ou ap mouri, ya ap tout yo, c'est ça la loi dit. Si ou pas coupable maintenant, ou ap retourne nan ville refugion, kote ou t'es encore, et la ou ap rete pour jusqu'à ce que sacrificateur a mouri, ou pour jusqu'à ce que mouri. Maintenant, si ou t'a quitté ville là, ou font sorti, moun, ou t'es touye moun, li kwa ansan avec ou,
Ni gen dwa tou yo, men depou nan vil refuj, jan yo pa gen dwa tou yo, sa nou jwen ni peut-et son histoire pa te konen nan liv nombre, verset nombre 35, depuis nan verset 9 la. Maintenant, verset map li ansan avek ou. Si un homme pousse son prochain par un mouvement de haine, ou s'il rejette quelque chose sur lui avec pré-méditation, c'est-à-dire son bagalité qui est en planifié pour le faire, maintenant... Ok, avec prédestination et que la mort en soit la suite, ok, de suite en suite. On lit tout le texte, on va comprendre. C'est-à-dire, si mon a planifié pour le tout, maintenant, on a regardé dans Samson 19, verset 22 a dit, mais si un homme pousse son prochain subitement et non par inimitié, ou il jette quelque chose sur lui sans préméditation, ou il fait tomber sur lui par mégarde une pierre, on comme si bon wash qui tombe, un bout de fer qui tombe sous tête lui sans lui pâter sous tête l'autre monde, sans ses probabilités planifiées, c'est pas faute. Voici les lois d'après lesquelles l'assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang. L'assemblée délivra le meurtrier de la main du vengeur du sang et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfui. Moi, sans tout ça, soit li, l'orgue titan, la carotte, tout nos 35 ans l'île, moi bien comprendre ça de Dieu là. Mon Dieu, pas voyer pour nous tous les monde. Maintenant, si yon cas qu'on s'est arrivé, c'est sûr, ou ap payer conséquence, mais mon Dieu, pas juger bagarre la même chose, parce que mon Dieu, c'est un Dieu qui juste lié, c'est un Dieu qui bon, c'est un Dieu qui a compassion. Maintenant, quel que soit transgression de la loi, c'est péché, et moi, je veux noter ça, si ou quitte, yon moun a mal mené en tout, ou gen moyen pour éviter son va éviter ça, c'est péché, parce que bon Dieu, pas d'accord ça. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo, ça, sous vous avez pas oublier de mettre like, partager, faire un commentaire, invite vos amis, venez assister vidéo ça ensemble avec nous, n'attendons dans la prochaine vidéo, yon l'autre bel sujet, nous va aller encore, yon question, nous pensez, en pile monde à poser, ou même tout, ou à poser, ou à jouer une réponse là. Que bon Dieu bénisse nous, n'attendons dans la prochaine vidéo.